Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News et j'ouvre la 9e vidéoconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème de ce soir est l'implantation des proto-humains sur Terre et leurs relations avec les étortants. Les informations que je partage sont de sources purement extraterrestres. Les étortants sont de la lignée des Gris. Ils ont été l'une des premières lignées à être membres de la Fédération galactique, où ils occupent le siège numéro 12. Ils y participent, non en personne, car leur système stellaire est à 642,5 années-lumière, mais grâce à un système holographique interposé. C'est leur hologramme qui assiste aux réunions de la Fédération galactique. Ils habitent de très nombreuses planètes en orbite autour de Bételgeuse dans la constellation d'Orion, que l'on appelle aussi Alpha Orionis ou Ori 58, qui est le deuxième soleil le plus brillant après Rigel. Voici donc les questions que j'ai posées à Dzen concernant les étortants et ses réponses. Il n'existe aucun point de référence, même de mon point de vue d'extraterrestre, me dit Dzen. Je pourrais dire, dit-il, ils sont presque robotiques, mais ce n'est pas ça non plus. Je sais que ce que je dis est un peu vague, mais leur comportement, même à moi extraterrestre, me paraît étranger. Nous sommes, nous, femmes et hommes modernes, terriennes et terriens, les descendants de ces deux lignées terrestres et extraterrestres.